C'est le premier Noël que je vais célébrer dans le diocèse de Belfort-en-Béliard. Et j'en suis très heureux. Malheureusement, cette année encore, ce Noël, il va être marqué par le poids de cette épidémie qui semble reprendre. Alors, bien sûr, il faudra être prudent dans nos relations, on ne pourra pas faire de grands rassemblements et nous devrons faire attention aux autres en pensant aux plus fragiles. Pour autant, ne nous laissons pas enfermer dans la peur. Le remède à la peur, c'est la venue du Fils de Dieu parmi nous. Il prend notre condition humaine, il devient l'un de nous pour montrer l'immense projet qu'il a pour les hommes, pour montrer qu'il veut faire de nous des fils de Dieu, qu'il veut nous donner part à son royaume. Cela doit nous aider à chasser nos peurs, nos tentations de nous replier. Alors en cette fête de Noël, eh bien, allons vers les autres. Si l'épidémie nous empêche de nous rassembler très nombreux, nous pouvons toujours faire un coup de fil, nous pouvons toujours offrir un cadeau, envoyer une carte de vœux. Pensons d'abord à tous ceux qui sont dans la solitude, à ceux qui sont dans la peine, à ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont besoin de la chaleur de Noël pour les réconforter, leur redonner confiance en eux, dans la vie, dans le Seigneur. En cette fête de Noël, je vous invite à contempler la crèche, à regarder l'enfant Jésus qui est livré dans les mains des hommes, qui naît pauvrement, qui est déposé dans la crèche sur la paille et qui nous dit à quel point il a voulu prendre l'humanité au plus bas. Qui nous dit qu'il a voulu être livré entre nos mains pour rejoindre tous ceux qui l'attendent. Et c'est notre mission à nous, qui croyons, qui célébrons la fête de Noël, de recevoir l'enfant Jésus en nous, dans notre cœur. De nous sentir comme investis de cette mission d'aller annoncer aux autres que cette nouvelle-là, elle les concerne et qu'elle peut transformer leur vie. Alors prenons exemple sur les bergers. Ils se sont laissés guider jusqu'à la crèche, ils ont adoré l'enfant Jésus et puis ils sont repartis différents. Différents parce qu'ils chantaient la gloire et les louanges de Dieu et parce qu'ils racontaient autour d'eux tout ce qu'ils avaient appris de l'enfant Jésus. Eh bien faisons de même autour de nous. Manifestons aux autres que nous sommes dans la joie, pas simplement parce qu'on fait la fête autour de nous, mais parce que nous croyons que Dieu s'est fait homme et que notre vie nous transforme. Je souhaite à chacun de vous un très bon et heureux Noël. Que la paix du Seigneur et aussi que la fraternité prospèrent dans les cœurs et se répandent autour de vous. Bon Noël.